Combien de vous ont des joueurs avec le playstyle plus infatigable dans leur team, aka les trois poumons, aka le playstyle le plus sous-coté de FIFA? Voilà, j'étais en train de penser sur les playstyles les moins utilisés, les moins cherchés on va dire, et je trouvais que celui-là, en playstyle plus, c'est l'un des moins cherchés après acrobatique et flair. Bref, aujourd'hui, on va tester des nouveaux joueurs, bien sûr, mais aussi, on va expérimenter et on va tester au maximum ce playstyle-là, qui, pour les gens qui ne savent pas, il améliore la récupération pendant la mi-temps et les pronos, et augmente grandement la durée des pressings à deux joueurs. Mais aussi, il va augmenter la stat d'endurance. Et pour pimenter un peu la vidéo, les gars, regardez devant vous. Tactique perso, sens de profondeur, et ça c'est la première. Je vais pas jouer tout le temps avec, on va essayer toutes ces tactiques avec pressing après perte de balle, pressing au moment clé et pressing constant. Tous les joueurs que je vais jouer avec aujourd'hui ont un playstyle infatigable au minimum. Malheureusement, j'ai pas pu avoir tous les joueurs avec le playstyle plus parce que c'est plus réservé pour les milieux et les latéraux. Par exemple, pour un défenseur central, lui c'est le seul qui a ce playstyle en plus. Et je vais changer de joueur bien sûr plus tard avec Kluivert, avec Sawa. On aura d'autres options les gars. Bref, c'est le concept d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver des nouveaux concepts puisque la plupart ont lâché un peu le jeu après la Totti, surtout après le Missy Totti. Premier match, on va commencer doucement avec le pressing au moment clé. Je crois que c'est le moins fatigant pour les joueurs. Merci. Et ce serait encore plus compliqué sans Van Dijk. Ouais, mais parfois, faut changer un peu. What? C'est quoi ces relances? GG. C'est très compliqué en défense, les gars. C'est très compliqué. Mais on va laisser place à Bombaster très très bientôt. Hein. Quoique. Quoique. Elle nous a ramené un péno. Panenka. Top. Allez, merci Rush. En plus, il y a Diani, les gars. Il hésite même pas à faire des extérieurs. Je rate beaucoup. J'ai des joueurs très nuls offensivement. Mais on doit respecter le défi. Oh, il est pas sérieux, Mina. Il est pas sérieux. Mais non. Mais Reinicker, il l'a gêné, les gars. Il l'a clairement gêné. Vas-y, je vais quitter. Hein. Les gars, on commence avec une défaite. Hein. C'est trop raté, en fait. On doit gagner 19 matchs. Prochaine tactique à tester, c'est le pressing après perte de balle. Je crois que c'est la meilleure et la plus safe. Allez, le pressing après perte de balle. Ouhouhou, le plat du pied. T'es mal le pressing. T'es mal. Oh, j'ai même pas contrôlé le joueur, les gars. Ouh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Frérot. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les gars, TFS, je veux bien le garder pour les derniers matchs. Pressing à 100 de profondeur, équilibré, c'est parti. Et j'ai mis Viali en buteur. Il va me manquer ce TFS. Voilà, l'escalier, la classique. Jure? En vrai, la défense est grave dispersée. Je sais pas quoi vous dire. Merci. Ouh. Ils ont rechargé leur batterie. Ça, c'est un beau but, mais on va l'avouer, c'était chanceux. Oh là là, Lineker, la petite feinte de player lock qui a marché parfaitement. Bon, merci pour tes services, Rush. Allez, Rafinha rentre en jeu, c'est parti. Let's go. Heureusement qu'ils n'ont pas Messi aussi. Hein. Bon, on va essayer maintenant la tactique équilibrée, sans de profondeur, mais cette fois avec les interceptions agressives. J'ai totalement oublié de les mettre. Mais vraiment, je sais pas, est-ce que les interceptions agressives changent quelque chose ou pas? Genre, est-ce qu'il y a une grosse diff ou pas? Perso, j'ai pas senti pour l'instant. Oh, le petit pont. Je t'ai vu. Bam. Bon, c'est les premiers matchs, on va se calmer un peu. Bon, cette fois, on va jouer avec le pressing constant. Je sens que ça va être compliqué. What? J'ai le droit de changer ou pas? Parce que là, avec le pressing, les gars, on va tous mourir. Hein. Il est sorti de ses cages, c'est normal. Hein. Rouge. Il est sorti. Il y a des pop, les gars. Bye bye Mbappé. Regardez l'endurance. Juste regardez l'endurance. Ils sont à 100%. Sauf lui parce qu'il a aucun style. Mais franchement, les gars, les attaquants sont full. La défense, un peu moins. Même s'il a 74 d'endurance en stats, c'est presque la même chose qu'un 90 en endurance. C'est abusé. On est là. On est là, les gars.
Bon bah sort. Voilà l'équipe à 75e minute. C'est vrai que le pressing constant, il fatigue énormément les joueurs. Mais quand même, ça reste potable. Si vous l'utilisez pendant une mi-temps, ça peut passer. Il a Sawa, ok. La formation pour ce match, 4-2-2-2. Pressing après perte de balle. Tout le monde presse extrêmement bien. Rien à dire. Par contre, ouais, j'ai jamais joué avec, mais voilà. Oh non. Il sait finir. Allez, il l'a bougé lui-même. Hein. Allez, la passe puissante. Boum! Les gars, le player lock, s'il vous plaît. Mettez les notifs et je vais bientôt faire un tuto dessus. Vraiment, c'est un game changer de fou. Hein. Waouh, Lineker. Il est pas mal. Racing, merci. Voilà. Théma Bombastor, Cafu Zanetti, c'est comme s'ils n'ont pas joué le match. Allez, Viali. Faute, oui. Elle va marquer avec Bombastor, Sonia Bombastor. Lucarne, s'il te plaît. Il était trop puissant le coup franc. Est-ce que c'est un avis controversé si je vous dis qu'elle est meilleure que Bacha? On est d'accord que Bacha aussi, elle est trop surcotée. Oh là, ouais. Bon, peut-être que latéral, c'est pas son meilleur poste, mais elle est forte, hein. Let's go! What the fuck are these teams? Oh là là, c'était. Oh là là, en plus j'ai bougé. Ah, la défense, elle rivalise pas contre ces Totti. Waouh! C'est le meilleur but que j'ai marqué de ma vie. En plus, on a besoin de viser avec ça. Lineker, the GOAT! The GOAT! That's why he's the GOAT! The GOAT! T'es con ou quoi? Garde-moi ça au moins. Même si je m'en fous un peu pour le footchamp, je vais au moins faire un bon rang quand même. Pourquoi j'ai pas croisé, genre? Les gars, pourquoi ils bougent pas leur gardien? Je comprends pas là. Come on. Je suis une blague pour vous? T'as vu? Ballonnade? Passe? C'était propre de fou. Hein. A clip ça, c'est à clip. Hein. Ah lui il a commencé le pressing mais il a que Sawa pour le faire. Tant pis pour lui. Hein. Wouhou! Les gars j'ai bougé IRL pour faire le timing. Hein. Il fallait être réactif. Regardez l'endurance les gars, juste. Coman avec le playstyle plus. Oh bordel, j'ai oublié. Frère, on a pris une déco. J'ai toujours une déco à cette heure-ci. J'ai oublié, les gars, j'ai vraiment oublié. Deux nouveaux joueurs à essayer, Kluivert et Sawa. J'ai hâte de la tester, tout le monde en dit du bien sur elle. J'ai pas fait sans SP cette aussi, mais celle-là, elle est pas trop différente. Oui, il a un scène, hein. Faut faire quoi pour le contrer, ce tir? C'était un match perdu, les gars, perdu d'avance. Je savais. J'en peux plus! Il joue bien et voilà. Rien à dire, il joue bien. Merci, Lineker! Pff, elle est trop forte! Physiquement, elle bouge tout le monde, les gars. Oh, en plus, elle gêne, ça va. Ouais, parfois, il y a des évos vraiment beaucoup trop fortes. Hein. Oh, elle répond tout de suite, Sawa, avec une demi-volée. Il est parfait, ce but. On est là. La remontada. Je suis revenu vers le 4-4-2. Et ça nous a sauvés pour l'instant, hein, parce que c'est pas fini. Non, mais... Quoi, ce changement de joueur, là? Ouais. C'est là où on voit la différence entre lui et Van Dijk. Hein. Oh, c'était un monstre, hein. Oh, on est passé au prono maintenant. L'équipe est toujours en forme, sauf le défenseur, je le répète à chaque fois. Faut gagner, par contre. Non, mais... Oui. On est calme, les gars, on est calme. Il a quitté Alt F4 direct, mais on n'a pas eu la victoire. C'est quoi ce jeu de merde? Il a littéralement fait Alt F4. Il n'y a pas un autre moyen pour qu'il quitte aussi rapidement. Et ça m'a même pas donné la victoire. Ce jeu, les gars, ce jeu, vraiment. Il est cassé en deux, et surtout sur PC. Et les gens qui dépensent des points FIFA dessus, je les comprends jamais. Hein.
120 minutes les gars, 120 minutes de match pour que ça me donne même pas la win. Voilà, merci Kluivert. Oh là là. Voilà, bien joué Kluivert. Merci Smichael. Bon, Pastor, elle nous fait kiffer en tout cas. Elle nous fait kiffer en tout cas cette Bombastor les gars. Waouh, le centre digne d'une bacha. Allez, c'est parti pour le centre. Vers le dernier poteau. Encore une fois. La volée de Reinicker. Il est toujours dans la bonne position, je sais pas comment mais... Oh là là, il est physique, il est rapide. Le rush kit. Et c'est tenté en prêt, waouh. Ok, c'est le match palier les gars. Rafinha, il a servi à quelque chose en moins. Les infatigables sont là. Et bon, Pastor. Oui. Appel, centre. Lineker. Oui. Oh là là. Le foot cheval. Oh là là, il est un peu nul ce défenseur, c'est vrai, mais beau but. Beau but. Non, non, non. Non, bien joué à lui. Non, oh là là, c'est quoi cet arrêt? GG. Hein. La défense, qu'est-ce que... J'ai même pas remarqué, les gars. POV, l'adversaire en ce moment-là. On débloque qui? Neres? Gratuitement. Ouais, c'est pas mal. Il est pas meilleur que sa version Evo, mais je prends un. Neres, 5 étoiles de technique, Rickster, il peut s'améliorer. Hein. Vamos Benfica. Lucio Van Dijk. Pelé, Gertizinho et Puteyas. Je viens de marquer un coup de foulard sans faire exprès. Les gars, heureusement que le gameplay est bien, hein, parce que j'aurais pas pu gagner tous ces matchs. Quand même, hein, Coman, hein. Tema, Coman, hein. Tema, Coman et Tema, Lineker, encore une fois. Il se place trop bien, les gars. D'ailleurs, les gars, il faut le lancer en profondeur avec L1. Hein. Oui, allez. Bon, Pastor, les gars, c'est but, hein. Elle va pas rater, hein. Peut-être que je l'ai pas trop bien mis, mais... Non, mais il va quitter, c'est pas possible. Oh là là, c'est trop drôle. Les gars, c'est bon, on a eu 11 victoires, il nous reste 6 matchs. Je crois que je vais faire rentrer maintenant Tevez. On va jouer comme ça en attaque. Dilaps United. Oh, bah il va quitter. Sinon, vous êtes morts. Boom, boom. Vous êtes comme ça face au goal, les gars. Il faut aller avec les dribbles R1 tout droit, bien diagonalement. Et c'est très facile de dribbler, en fait. Tema, Tema. Pourquoi il plonge comme ça? Pourquoi il fait ça, Loris? Bon, ça reflète aussi la qualité du gameplay ce soir. Hein. Hier aussi. J'aime trop. C'est le gameplay parfait de FIFA. Le milieu à 5, comme ça, les gars, et... c'est beau. Hein. Yep. Ok, j'ai un peu de chance. On va pas se le cacher. C'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ce footchamp. Voilà. On est là ou pas? Si c'était pas un bon gameplay, il l'aurait pas contrôlé comme ça. Parfois, je me dis, c'est bien d'avoir ce gameplay, mais parfois, je me rappelle que c'est 0,01% du temps que ça arrive. Et oui, c'est FIFA. Bon, malheureusement, c'est fini avec Tevez. Très fort, rien à dire. Il n'y a aucun défaut, presque. Pour récupérer Cafu. Ouais, on a bait le tackle. Je fais tout parfaitement, les gars. Player Lock, il aide beaucoup, hein. Schlotterbeck, il s'est réveillé en fait. Ah, j'ai oublié de mettre Cafu, mais on va souffrir contre cette attaque, mais si. Merci beaucoup. Oh, il a quitté. Voilà, il a quitté. Pourquoi? We are dead. Ok, je sais pas comment les contrer. Il y a tout le monde en surface. Comment il a fait? Joue le pressing et il gagne, sérieusement. Mais qu'est-ce que je raconte? Moi aussi, je joue le pressing. En fait, c'est pour ça que je perds. Hein. Oui! Lineker! Ce n'est pas un crack, lui. Allez, on va gagner ce match. Hein. Ras-le-bol. Ras-le-bol de ces mecs qui marquent tout le temps les mêmes buts. Je vais devenir fou, en fait. Heureusement que j'étais là. Mais pèse! Mais qu'est-ce qu'il fait, le gardien? On est les infatigables, ok? Les infatigables.
Les infatigables. On allait presque le perdre ce match. Ok, il n'y a que Eusebio qui est problématique. Voilà, merci. En fait, les gars, les interceptions agressives, je crois que ça aide, mais ça fatigue vos joueurs, donc attention. Oh non. Oh, on est à marquer. GG à lui, hein. Il mérite pas la défaite, hein. Allez, c'est pas fini. Vers les pénaux, les gars. Non. Il savait. Oui, Van der Sar. Oui. Ah, il va sûrement pas l'avoir. Let's go, ça. Wow. 16-2, GG à toi, frérot. Ouais, mais si, ouais, c'est ça. Il va nous donner la win. Merci bien, frérot. Merci bien. On fait les meilleurs rangs avec les pires équipes. Et on va avoir les pires récompenses aussi. Rang 3. Est-ce que cette team d'infatigables va nous rapporter quelque chose d'utilisable? Ok. Les notes au-dessus de 88 sont... les bienvenus. D'ailleurs, les gars, Kanté était un joueur que je voulais tester pour les infatigables, mais malheureusement, sa meilleure version était en SPC. Bien sûr, le pressing, comme je vous l'ai dit, ce qui marche très bien, c'est le pressing un peu perte de balles et pressing constant. L'autre, j'ai pas trop aimé. Par contre, celle-là aussi, hein, le saut de profondeur, interception agressive, ça marchait très très bien. Mais voilà, il faut avoir des bons joueurs, bien sûr, en termes d'endurance pour la faire. Kluivert, étonnant, très étonnant. Par contre, lui... combien tu m'as joué là? Il y avait des adversaires qui ont quitté et tout. Mais même avec ça, les gars, regardez son record. Rafinha, j'ai pas trop aimé ses dribbles précis. Mais il a l'accélération, la vitesse. Coman, c'est mon coup de cœur dans ce foot champ. Hein. Et t'es ultra rapide lui aussi. Hein. Et c'était pas sa meilleure version. Ça, ouais, j'ai trop kiffé, les gars. Vous la connaissez déjà. Mais vraiment, j'ai bien kiffé. N'hésite pas à me dire quel concept je dois faire pour la prochaine fois. Premier joueur, c'est Ménion. Joueur mix campagne. Un feu glace, non, même pas. Oh non. Pack ultime, here we go. Dybala. Ouais, je suis en train de faire best. Si on a des doublons, si on arrive à le faire tranquillement, je le ferai. Donnez-moi un RTTF. EA, come on. Qui se rappelle de sa carte, les gars, l'année dernière? On ouvre le pack 100k. Oui, RTTF de la version Europa League. TG. Emerson, c'est le pire. Au moins, il est changeable, les gars. Au moins. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le concept. À très vite pour une nouvelle.